Voilà, avec la famille, donc Chloé, encore une fois, avec un petit sac. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là, je suis dans la boîte. Comme je pense que ça fait plusieurs vidéos que je vous le dis, quelqu'un qui travaille. Donc, c'est ça qu'on va faire. En fait, ce qu'il sait pas, en fait, ce qu'il va savoir pendant cette vidéo-là, c'est que je vais le suivre à partir de ce job. Donc, c'est à sa job. Ce que je vais le pogner, donc je vais le filmer, donc ça va être con. Mais en fait, c'est bien ça aussi. Donc si il est à sa job, je vais le filmer, mais s'il n'est pas à sa job, je vais faire semblant de m'infiltrer chez lui pour lui dire que j'ai envie de le voir, une balle de toute la quête. Et je vais le filmer à son insu, comme dans la vidéo que vous avez vue, où est-ce que j'ai filmé Alex dans son grand jour. Je mets une fiche pour que vous voyez la vidéo en question. Donc, oui, donc c'est ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Moi, je vais voir plus tard pour. Je dirais pas où est-ce qu'Alex travaille, malheureusement. Pour pas que je me mette de problème avec son travail, sa compagnie et tout. Parce que. Mais oui, je pense que vous allez le voir. Je pense que ça va paraître. Où est-ce qu'on va être. Donc, moi, je vais pas le tantôt. Ok, donc on va faire un petit changement dans cet horaire-là. Là. Je suis en route vers Alex. Là. Je sais pas si là, je vais essayer de le caler tantôt. Donc, moi je vous parle, vous voyez les réseaux sociaux passés et surtout ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez vous abonner, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour pas notifier à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Donc, vous voyez tous mes réseaux sociaux. Donc, vous avez passé. Donc, vous avez vu Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, TikTok. Et YouTube, mais je suis YouTube également. Donc, je vais pas se promener. Moi, je vais plus tard. Et peut-être je vais essayer de coller Alex en chemin. Fait que, à tantôt. Alright, donc là, j'essaie de coller Alex. Mais ils sont dans des formels. Ils travaillent. Donc, on va les pogner. Soit qu'ils travaillent ou soit qu'ils juste promis son set pour pas me parler. Mais s'il fait ça, c'est un fils de chien. C'est un petit merdeux. Mais non, en fait, Alex travaille, donc... By the way, il y aura peut-être Cédric qui voudra faire une vidéo avec moi. Donc Cédric, je te l'ai dit, sur Instagram il y a quelques jours. Si tu veux faire une vidéo avec moi, de juste me texter. Donc... ouais, c'est lui, je pense. Ok. Aussi, je vous ai aussi, donc, chose que je pense que vous avez remarqué aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que ma chaîne existe. C'est quelque chose de malade, donc c'est ma 2e année. Merde. Techniquement, je fais ma 3e année. Parce que. Bon, on va avoir le temps qu'on va traverser là. Oh my god, il n'a pas le choix d'arriver en moi. En tout cas, moi, je vais traverser tout de suite. Donc, on va aller ici là. Ok, bonsoir. Donc, comme je vous dis, on va aller voir Alex, ils sont à sa job. On va essayer de pogner en train de travailler. Soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Parce que moi, je vais essayer de pogner de l'extérieur. Mais ça, ben, il ne saura pas que je l'ai pogné. Donc, par après, je crois qu'il finit à 3h, je pense. 3-4 heures, je pense, 3-5 heures, je pense, je sais pas. Donc, faut qu'on va les pogner une fois. Si d'accord à sa job, si j'ai réussi à rentrer en communication avec lui, ben il y aura une petite surprise. Donc, Alex, t'es pas prêt face à ça, face à ce que je vais faire. Encore une fois, tu seras filmé. À ton insu, donc tu seras pas. Donc, moi je vais en profiter. Qu'est-ce qui se passe? Désolé, c'est métissé en fait, donc je pense que. Sorry, hein, c'est pas moi. Donc, ça on y va à la job d'Alex.
Bah oui, j'ai aussi un job, je vais essayer de me trouver un autre job également. C'est une troisième job. J'ai postulé à quelque part, j'attends juste la confirmation de s'il veut m'engager. Si vous voulez, au moment où je vais l'avoir, un job, les vidéos vont sûrement continuer, donc c'est clair si je suis d'accord. Mais je vous garantis pas que il y aura des vidéos tout le temps. Donc ça se peut que ma job, ça prenne assez de mon temps, que je ne suis pas capable de tourner. Mais je ne penserai pas parce que j'ai postulé un endroit à temps partiel. Donc ça va être bon pour moi. Puis en plus, j'aurai le temps pour tourner une vidéo. Yay! Donc là, ça va voir Alex. Je vais essayer de le pogner en dedans, entre les rangées, pour pas qu'il me voit. En train de le filmer. Donc, en fait, il va me voir. Enfin, il va souvent vouloir me parler, ça aussi. Donc, je vais pas essayer de faire un genre de question. Ça va être louche. Donc, je vais voir Alex comme si de rien n'était. Comme je vous l'ai dit plus tôt. Donc, d'abord, de l'autre Alex, il va pas savoir que je suis en train de le filmer. Il va juste me voir avec mon cellulaire dans la main. Et moi en train de le filmer. Je vais essayer d'être crédible également. Donc, ça se pourrait bien que vous voyez l'image en verticale. Donc, on arrive à ce job. Moi, je parle plus. Puis vous aurez sûrement moi en train de filmer Alex ou me promener dérangé. Donc, ben, à tantôt! Personnellement, je trouve pas le pour elle. Si il me dit que t'en pause, je le bute. Je pense que je vais faire. Je reviens tantôt, j'ai collé. Bien, bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, je vous remercie. Ah, vous avez mis vos cheveux? Oui, c'est tout ça. Merci. C'est même pas dedans. Ça va aller, on va s'en dedans. Je suis sorti pour trouver. Moi, on va pas prendre le mal. Pour faire le point 52. 52. Donc, tu as appelé? Je n'ai pas encore. Pas bon. Normal, j'ai postulé hier soir, Alex. Hein? J'ai postulé hier soir. Okay. J'ai fermé, parce qu'il n'y a pas le temps, là. Mais il n'y a pas de temps. Oui, c'est leur travail. Ouais, mais jamais. Ça va, mon cochon? Qu'est-ce que c'est? Mon cochon? On va être gelé. Non. Hey! Bien, tu joues en ligne. Chef, c'est bon, c'est coup de balle. Alright, la gang, donc là, je viens de sortir du jeu, comme vous voyez tout le monde là-bas. Alex, il y a des soupçons, comme quoi je filmais. Mais, il y a une chose qui ne sait pas. C'est que, donc, ce que vous ne savez pas, ce que je n'ai pas dit, c'est que, donc, Alex et moi, on a une idée. Alex m'a donné une idée et je prends son commentaire à la légère. Je prends pas son commentaire à la légère, mais son à la légère. Donc, à partir de maintenant, donc, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, il y aura une vidéo par semaine. Je pensais à faire deux vidéos, c'était beaucoup. C'est pour moi maintenant, c'est trop. Surtout que je vais bientôt travailler, il va falloir que je travaille. Pour vous faire des vidéos comme des dégustations, un smoothie challenge que ça fait 2 ans qu'avec moi on songe à tourner. Sauf que on ne trouve pas le temps. Et il faut de l'argent. Donc faut que je travaille, faut qu'Alex travaille vraiment, faut qu'on paye nos affaires et tout. Fait que une ou deux par semaine, ce sera le vendredi à 8h. Somewhere nowhere.
ça va laisser le temps de tourner au moins quelques vidéos pour que je vous les mette en ligne. Donc, en fait, ça va laisser le temps de tourner une vidéo, pas quelques, puis c'est terminé ça. Donc, je change de main, je marque. Donc, ça va me laisser le temps pour réfléchir à une vidéo avec qui je vais la faire. Et surtout, ça va me laisser plus de temps pour le montage. Parce que je me rendais compte aussi que je trouvais pas d'idée de vidéo parce que je tournais tout le temps la veille. Donc j'avais pas beaucoup de temps pour le montage. Puis le montage, c'était des manicottes ou des effets de transition que je mettais. Donc, c'est ça. Donc, je le répète, à partir de cette vidéo-là, donc à partir de vendredi prochain, il y aura une nouvelle vidéo et ça, jusqu'à temps que je décide d'arrêter ma chaîne. Donc, une autre affaire aussi, je pense que je vous l'ai dit, ça fait 2 ans qu'on a ma chaîne écrite, fait que c'est pour ça que je vais vous faire ça. Je vais vous créer du meilleur contenu, je vais prendre le temps parce que ça se voit par mes vidéos, par le nombre de vidéos que je fais, la perte d'idées est pas là, elle est là. Puis donc, ça va me laisser du temps, donc voilà. Dans ma tête, vous vous dites que je fais. C'est simple. Allez, je vais me tuer parce que malheureusement, shit, je sais pas. Ok, donc, on s'en va dans une forêt. Je m'en vais dans une forêt, tout solo. Donc, rappelez-vous de la story time que je vous ai raconté de Alex, s'est fait caca dessus. Encore une fois, je vous mets une fiche pour que vous puissiez savoir de quoi je parle. Vous autres, donc, je vous ai dit que c'était une forêt où il y avait des vieux bâtiments de la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que ces journées-là, il mouillait. Puis j'avais un sel également, oui. Donc, c'est un story time. Donc, justement, je rentre en détail. Fait que là, moi, je vais vous montrer ça. Plus, je vais vous montrer un endroit où est-ce que. Bon. Un endroit qui est un petit peu osé, là, mais bon. En fait, je sais pas si je vais vous le montrer vraiment, honnêtement. Pour vrai. Parce que c'est pas une chose qui est montrable sur en grande partie. Donc on s'en va là dans la fameuse que la Seconde Guerre mondiale. Vous venez avec moi donc voilà. Donc c'est ça. Donc un petit récapitulatif aussi, donc j'espère que vous allez comprendre. A few moments later. Alright, donc oui, je vais changer. Donc, ce que j'allais vous dire en fait, donc dehors, excusez-moi, là, c'est qu'il y a eu un gros moment de délai. Le cellulaire a pu chuter. Donc, ma batterie est tombée, donc j'ai plus de batterie. Donc, là, j'en prends un peu. Je pense que je vais peut-être un peu raccourcir ça. Il va savoir aussi que je suis un peu fatigué. J'ai un petit mal à gorge. Je me mange beaucoup. Et que vous voyez, j'ai pas le COVID. Parce que je viens d'avoir ça. Puis, ben en fait, non, pas vraiment. Pas vrai. Ha! Vous l'avez cru. These nuts! Gotti! Gotti! C'est une joke. Je suis pas malade. Loin de là. Je vais essayer de convaincre un ami. Tantôt, plus tard dans la journée. Bon, parce qu'il est grand 5h. Je vais essayer de convaincre un ami à moi, Cédric, de faire une petite partie live avec moi. Donc, de faire la deuxième partie avec moi. Comme la première partie, vous l'avez vu, c'est Alex. Mais Alex travaille jusqu'à 6h. Et moi, 6h, ben, je pense que j'ai fini de souper. Ou déjà souper, donc je vais m'en rester avec si peu. Sinon,
ça va être. Je pense que je vais essayer de faire autre chose, je vais voir Alex. Donc, pourquoi je vous tiens? Excusez-moi. Donc, on va laisser Risotto sur Instagram. Je vais aller voir s'il est disponible pour une petite partie live avec moi. Parce que j'ai me dit que c'était bien avec lui. Cédric Rappelibou qui a participé à mon court-métrage, ma septième vidéo. Donc, voilà. Donc, je vais essayer de l'appeler. Donc, pour vous n'importe ce que je disais tantôt, à partir de maintenant, donc, au moment où vous allez voir cette vidéo-là, ce sera une deux par semaine. Donc, le vendredi, il y aura une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça va me laisser à peu près 6 jours pour penser à une nouvelle vidéo. Me reposer parce que, ben, j'ai pas le choix. Donc, j'espère que vous allez comprendre. Puis, donc, voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est juste. Donc, voilà. Donc, j'ai plaisir de Rinaldo. Puis, peut-être pour vous, c'est un peu weird de ne pas voir Cédric, mais de ne pas voir Alex, pardon. Puis, une autre personne, vous pouvez essayer de voir Alex. Peut-être que vous allez voir Cédric. Parce que, honnêtement, c'est une bonne personne. Et lorsque je joue dans le court métrage, je l'ai dit dans les vidéos, mais il a joué comme un pro. Donc, je vais l'appeler tantôt. Donc, nous, on va se trouver un peu plus tard. Soit dans ma chambre ou entrer moi dehors en direction de chez Cédric pour tourner la deuxième partie de la vidéo en fait donc un peu donc il va peut-être vouloir faire un petit truc avec vous autres, vous montrer quelque chose, je sais pas, donc ben à tantôt. A few moments later. Ben alors voilà, le jeu terminé. J'ai pas besoin d'être Cédric là, je pense non plus le contacter. Peut-être pour la prochaine vidéo, en tout cas. Like, commente, partage, abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Oubliez pas d'activer les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Le vendredi, on se retrouve le vendredi à 8h à la prochaine vidéo. Donc, rappelez-vous sur YouTube, c'est une nouvelle horaire. Donc, ça c'est temporaire, ça c'est permanent. Donc, ça va me permettre de me poser et de vous offrir à la meilleure vidéo avec un meilleur montage. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. Pour ça, ciao!